Utilise Streamlabs OBS, c'est beaucoup plus pratique. C'est le gros problème cerveau que j'ai, gros. La Que le connexion en mec moi se pour met le pas faire? de stand. Que le Connexion en mec moi se pour met le pas de faire? stand. Que Connexion se en met moi pas pour de le faire? stand. Je veux juste aller leur parler pour pas que ça commence à partir en... De quoi? Non, moi je leur Que se ressors met pas pour de le faire? stand. Ah mais au jeu! Je veux juste aller leur parler pour pas que ça commence à partir en... De quoi? Non, moi je leur Que se ressors met pas pour les le faire? stands. Ah mais au jeu! Je veux juste aller leur parler. Ça va se promener, hein? Y'a pas quelqu'un qui a un bateau au pire? Au port sûrement. Oh, t'as fermé la moto. Ah, t'as les clés. Prends un beau bateau. Non, t'es milliardaire. J'ai un problème. Je disais, mais pourquoi on va par là? C'est la gendarmerie. Ils vont nous emmener tous ou quoi? Gros, tu veux livrer les cons? De prendre un yacht, ça peut être stylé. S'il y a un yacht, gros, moi je forme, je l'achète.
Si j'ai pas assez. What the fuck? Débile, ouais. Ah, il est nul, il est nul. Ah, il est beau, mais il est nul. Ah, mais y'a que deux places, gros. Et mais attends, mais s'il y a deux sièges passagers, ça veut dire qu'on peut avoir deux passagers. Ouais, prends le bateau à moteur, il y a trois places et tout. T'aurais pu prendre le RHIB si t'as Apex ou pas. Si, gros, t'inquiète pas, sur le RHIB, y en a des sièges passagers. Attends, ouais. Faut aller à Kavala. Non, tu vas au à la Béca, il y en a un. Non, non. Ouais. Bah attends, vas-y, je t'y conduis si tu veux. Oh, elle est bien pétée ta moto. Hein. Elle tombe. Ou quoi? Oh ouais, t'inquiète. Franchement, on prend le bateau à moteur parce que le RHIB c'est moche, je trouve. Le RHIB c'est un truc de sauvetage, le bateau à moteur, t'as vu, c'est un truc de plaisance. En GTA ça le dit, non? Ouais, c'est. On prend la MK10. Ben en gros, pour un truc de. Il coûte combien le MK10 d'ailleurs? Combien? Bateau à moteur. Quarante-quatre mille. Et moi je viens de fail en même temps. Je viens de ranger ma moto. Oh, c'est con ça. J'avoue. Et j'ai pas l'habitude des motos, genre la boîte invisible autour, hein, t'as vu. Ouais, j'arrête, gros. En première personne, tu vois comme si t'étais réellement en train de faire un wheeling. Ah, c'est stylé, hein. Oh, il va falloir qu'on aille dans l'eau, donc au pire, va au port là-bas. Va te mettre sur le sable là-bas. Ouais. Et là, t'as rangé ta moto. Vas-y. On va sur le sable là-bas, nous, pour pas se faire mouiller. Je le rapproche. Tu m'entends? Rapproche. Le tel là. Il va prendre la. Ça va bien, messieurs? Ça marche. Oh bah. Eh non, on peut pas, on est en service. Dommage, le flic, il voulait pas venir.
Ouais, mais c'est juste pour tester. Pourquoi il est descendu? Pourquoi il nous regarde le flic là-bas? Parce qu'on va faire de la tortue ou pas? Stop, 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 stop! Ouvrir ton bateau. Arrive pas à monter. Ah non, on peut piloter ça en FPS, c'est pas possible. Et tranquille, on est Covid là pendant comme ça. Et ouais. Hey, tu peux mettre le turbo aussi sur le bateau. Hein. J'ai mis mes bouchons d'oreille quand même. Ah. Moi. Ça va. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Et gros, t'es chaud pour aller au TP ou pas? Elle est où? Téléporteur. Oh, y'a pas loin. On voit là-haut, on prend un mal, hein. Ah merde. Non, bah, le téléporteur, c'est un peu sur la gauche. Allez, gros, tu devrais même pas le savoir, ça. Mais y'aurait des questions. Juste pour signaler quoi que cette île elle est pas visitable. Maintenant je le sais moi. Pas trop sur le point d'archéologie gros. Il y a des flics qui nous surveillent. C'est illégal l'archéologie? Une valeur. Oh, c'est 5000 gros! C'est trop bien, c'est $5000 là! Archéologie. $5000! Bon, je crois que c'est les objets de valeur, non? Ah non, je crois que c'est les antiquités en fait. Je sais, j'en ai fait sur l'île d'Arma for Life. Dossier militaire, ça rapporte bien, ça, je pense. Ouais, pas con. Maintenant, c'est pour les gendarmes. Oh, le diamant taillé, c'est 5300. C'est rentable, ouais, le diamant, en vrai. C'est pour les entreprises, ça. Ouais, mais c'est rentable. Bah, apparemment, tu m'entends pas. Et qu'est-ce qui est bien avec ce bateau? C'est que genre quand t'es tout seul ou quand vous êtes à deux dessus, et ben genre si tu passes en passager, et ben le bateau il continue d'accélérer tout seul. Tu le mets à tourner comme ça, et ben il tombera en rond ton bateau. Ouais. On est bien loin le petit bateau là. Avec le turbo? Attends, j'essaie de ramer derrière. Oh, ce serait sale qui meurt. Mmh. Oh, tu feras attention à un caillou en face, il y a deux cailloux. Là, si on se prend un caillou, on meurt.
une jambe gauche amochée, mais ça va. Appelle la sécu. Hop là. Vas-y, sois mieux, gros. Et pendant ce temps, appelle la sécu, gros. Je vais le faire. Quoi? Je suis en train de le faire. Au RCP après. Hein. Il a du pouls au moins. Regarde s'il a du pouls. Oui, bonjour monsieur. Mon ami vient de se manger son bateau dans la tête. On est en 0,40,159. Et il va pas bien du tout, du tout. Il n'y a pas de fou, merde. 0,40,159. Il est sur le bord de la mer, dis-lui sur le bord de la mer. Sur le bord de la mer. À côté des cailloux. Attendez, vous pouvez répéter monsieur parce que j'entends pas, mon collègue me parle en même temps là. D'accord, merci. Tu es à côté des cailloux, gros. Les poches en attendant, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Il a 7 kits de repas. On fait de la RCP là au lieu de fouiller, quoi. Mec, arrête de me parler quand je suis au téléphone, j'entends pas ce qu'il me disait le mec, quoi. Non mais je te disais juste de lui dire à côté des cailloux, parce que là je suis sûr il va galérer à me trouver. Mais non, ils ont des points GPS sur les mecs qui sont blessés. Il active une balise de détresse une fois que t'es en coma comme ça. Regarde s'il a du pouls. On n'aura pas. Ou il sera très faible. Faut garder sa tension. Oh non, c'est pouls, pardon. Regarde son bateau là. On s'en fout du bateau. Il est en train de partir sans lui. Ah, ça m'a fait délirer. Il a couru vers son bateau. Il s'est pris son bateau dans la tête. Il est en train de partir sans lui. C'est ce que j'allais lui dire. Je fais pousse pas ton bateau parce qu'une fois que tu vas l'avoir poussé et qu'on peut pas le réparer, et bah tu vas pas pouvoir remonter. C'est trop tard. Il s'est pris le bateau. Je lui ai dit, fais gaffe, les cailloux ils font mal. Bam. T'inquiète, y'a la sécurité civile qui arrive normalement. J'ai pas de problème, sinon j'enverrai une fumée. On va voir l'atterrissage parfait de la sécu. Ah, regarde. Il est où? Il est à droite. Ah, regarde. Attends, attends. Et d'un coup. Ah, ils sont. Ne prends pas les fils, gros. Bonjour monsieur. Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Notre ami il s'est pris son bateau en voulant remonter dedans. Ah merde.
C'est bon, je soigne. Ah, c'est bon, il est en coulant. Et des flottes, t'inquiète. Vous avez une Red Bull, monsieur? Vous pouvez la prendre. En fait, tu t'es pris ton bateau, c'est ça, c'est bon. Elle a tenu ça, je suis professionnel. T'as vu ça? Votre hélico, il est bien aussi, monsieur, pour atterrir. C'est quoi les tests pour rentrer dans la sécurité civile? Parce que avant, j'étais au nu, mais... Ah bon? Ouais, j'étais au nu. Ah, moi je suis arrivé dans la sécurité civile justement juste après la refonte en fait que ça passe de ONU à la sécurité civile. J'ai pas connu les gens d'avant. C'est bon, monsieur, tout va bien. Allez. Par contre, vous pensez qu'il serait possible de déposer quelque part? Parce que du coup, on a plus de bateau, on a plus de voiture, on a plus rien. Mais il est là-bas, votre bateau. Bah non, mais en fait, il est cassé. Tout cassé, on peut pas le réparer, on peut rien faire. Ah bon? Ah merde! Est-ce qu'il l'a poussé et puis du coup. Attends, Oceanfeld! Quoi? Je vais aller te mener vers le bateau. Tu vas sauter dans le bateau, tu le répares et tu le ramènes sur le rivage, d'accord? Bien sûr! Alors, ça c'est des professionnels qui font ça. Ouais! Mais même nous on fait pas confiance là. Hein. Bah, tu... Ah mais ils vont mourir hein! Moi j'explose de rien avec ça. Alors. Non, bon. On t'a sauvé la vie, dis-nous merci quand même. T'as fait les poches, hein, t'avais quand même beaucoup de kits de réparation. Hein. Oh non, 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 t'as rien. Ah gros. Oh, y'a des jumelles, y'a des jumelles. Oh, mec, oh mec. C'est risqué, c'est. Et le fil, je crois, il va niquer son bateau, hein, non? Non, le fil il est pas mortel, moi. Mec, je suis en train d'aider cette fichier. Quoi? Je viens, bon, je vois plein de tatouages affichés sur mon écran. Bah ouais, gros, il sait très bien que s'il se tape ton bateau, il crève. Mais non, mais faut qu'il monte dedans. Oh le. Il a fait un pouf. Comment il veut les litroyer, je comprends pas. Oh non, oh non, oh non, oh non. Oh, j'ai pas confiance en ça, gros. Mec, hey, gros, faire ça en hélicoptère, je te promets que même en Ember, je le fais pas, gros. Mais surtout, il met pas le vol stat, gros. Faut le mettre. Là, gros, il est pas en vol stat, hein. Ah, vu comment son vu comment l'hélicoptère il bouge, il est pas en vol stat. Hein. C'est facile ça par contre à faire à prendre un mec. Oh, pas aussi près que ça, pas aussi près de l'eau, gros. Tu te touches un patin dans la flotte, tu décèdes. Ouais, il est dessus. C'est magnifique, gros. Oh, ils peuvent pas descendre le matin. Détache, en fait. Je sais pas si c'est une bonne idée de détacher son rappel ou. Eh ben. Bah, déjà, je sais pas si c'est une bonne idée de marcher sur le bateau tant que t'es pas en conducteur. Moi je prends une photo quand même parce que là ça mérite hein. Bon, je vais quand même m'asseoir hein, parce que à force. Bon, je crois qu'il l'a réparé en l'air. Non. Magnifique par contre.
Mec, j'ai dû me nettoyer une seule fois comme ça avec le lui, gros. Je te promets, c'est le stress. Tu fais un faux pas, tu. Exactement, tu fais un faux pas, tu tues ton collègue en dessous. Heureusement que j'ai des bouchons d'or et à mon avis. Oh non, dommage. Oh! Mais non, attends, il l'a réparé en l'air, non? Attends, bon, moi je vais éviter de me mettre là. Sur moi réellement. Tu as réparé comment le bateau? En étant en rappel, je peux utiliser et mes pieds et mes mains, donc j'arrive pas avec mes pieds. Ouais, vous savez porter un moteur sur moi, vous mais réellement, je l'aurais plus, je vous donnerais plus quoi. Simpson, paye-les parce que c'est quand même ton bateau, hein, ils t'ont réanimé. Donne-leur quand même, hein. C'est pas grave. Ah ouais, vous pouvez pas faire de facture au pire? Non, faut pas faire de facture malheureusement. Ah dommage, je vous aurais bien donné 50 000. Oh. Ah bah merci messieurs. Ah, c'est que celui-là travaillait mieux que les gendarmes. Hein. Les gendarmes ils seraient même pas venus. Alors on a tout mis en œuvre là, hein. On a fait des choses qui ne sont même pas faisables. Ah ça vous sort de votre ordinaire, c'est ça qui. Ah bah là c'est sûr là. Ah réellement, genre de mission. À mon avis le pilote là il est pas bien. Hein. Ah mais là mon. Ouais ça va, si ça va, pas de problème. Ouais, parce que réellement, un faux mouvement et il tue la personne qui l'a au bout de la corde, quoi. Donc, mais ouais. À un moment, vous ne l'avez pas, quoi. L'hélicoptère bougeait drôlement bizarrement, quoi. Bah oui, la connu. Je l'avais à aucun moment, le Volstat, là. C'est bien ce que je me disais, l'hélicoptère bougeait bizarrement des fois. On a fait des choses incroyables. Ah ouais. N'hésitez pas. Hâte de voir ça. Finalement, ouais. Moi j'ai pris deux photos et tout là, c'est exceptionnel. Ouais. Je vous les enverrai sur le site si vous voulez. Merci beaucoup les retours. C'était sympa pour nous aussi. Voilà. Bonne journée messieurs. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Oh, c'était magnifique ce qu'ils ont fait. Et vu de nous cracher cette fois. Ça se prend en dessous ton bateau. Hein. Ouais, bah au pire, retourne à Kavala, gros. T'as fumé? Non. Gros, là, réellement gros, je sais pas. Eh, mais ils sont trop forts, mec. Ça leur arrive pas souvent, quoi. Ça arrive jamais, c'est tout. Non, c'est vrai que ça arrive jamais, quoi. Le genre d'opération, gros, c'est... Hey, genre... La famille de Tadisco, elle est directement fait QC, là. Les champignons, c'est pour le LSD? Non, jamais. Eh, en vrai, c'est juste à côté. L'exportateur de l'SD, il y en a pas un. Ah, il y en a. Ah, il y en a un pire gauche aussi. Ah, il y a toujours ce bug. Quoi? Prends ta caméra et mets-la en dessous derrière le bateau. Quoi? Prends ta caméra. What the fuck? Il y a une porte derrière. Et parce que ça le fait avec certains avions et certains hélicoptères aussi. Excellent, moi. Non, pas tant que ça, parce que tu peux le voir, tu le vois à travers toute la map, ça. Là, ça va, c'est en bateau, c'est sous la flotte. Mais genre, il y a quelqu'un qui est en dessous en train de nager, gros, il voit ton câble. C'est mortel ou pas? Je sais pas, je crois pas. Enfin, j'espère pas. Il essaye, hein. Oh, gros. C'est des gros. On peut se faire. T'as l'air partant. Ah, non, non. Et là, c'est du suivi, ils ont géré par contre tout ça.
les mecs sur ta GoPro là, ils étaient en mode eh merde, ça va péter, ça va péter, ça va péter. Avec fais-le avec K ou Pierre avec comme ça. Oh t'inquiète moi. Ah ouais, sur Nagora, j'ai mon pote qui l'avait hein. Ouais. Du coup on habitait dans le village juste à côté là, on habitait là. Pas Negades, à Agios Constantinos. Moi j'habitais à côté de l'église, gros. C'était Baba, le gardien de l'église. Baba. Ouais, j'étais Baba, le gardien de l'église, gros. Et je suis dans la falaise, dans le boudin. Y'a quoi? Ah bah. Non. Vas-y, viens, on va replaquer le bateau. C'est pas possible. Et genre, allez faire replaquer avec un hélicoptère, on a le droit ou pas? Et l'hélicoptère, ça peut pas se replaquer. Non, allez replaquer un véhicule avec un hélicoptère. Oh, le Mohawk aussi. Ça coûte cher un Mohawk ? 3 millions. 30 millions ? 3. Ah. Et un L4, ça coûte combien ? Oh, ça va, c'est bien. Oh, tu veux acheter un L4 d'ailleurs ? Achète tout le L4. Ça, ça rien. Ah, c'est rebelle le L4 ? Le L4. Bah, pourquoi alors Pierre il en a un ? Et deux. Oui, mais si t'es rebelle, tu peux pas. Enfin, si t'es rebelle, tu peux pas sortir avec le bandit et l'inverse. Hein. C'est pas grave. J'avoue que sinon c'est compliqué. Ouais, non. Y'a toujours les frites en rebelle ou pas? De quoi? Putain, y'a plus personne qui en a. J'en ai rien vu. Ah, je peux pour eux, c'est bon les frites. Non, c'est pas cher. Après je pense que je vais aller farm un peu. Ah. Espérons que le cannabis il soit au niveau du preskill. Moi après là je vais chez ma grand-mère, je suis pas là. Ouais tempête, je suis pas là, je reviens à la tempête de 20h. Anniversaire. Sortir le bébé aussi par une occasion.
quelqu'un qui a un petit pinard. Et ni gravion. J'arrive pas à contrôler les avions. Ah, moi non plus. Ah, j'arrive à le faire décoller, mais j'arrive pas à le faire poser. Ouais, moi c'est le posage. Arrive pas trop vite ici, gros. Ici ça fait. Évite de le pousser, c'est toi, ton bateau. Et gros, tu sais que tu peux pêcher? Moi j'en peux pêcher là, au calme. En plein de mer, tu t'arrêtes, tu pêches. Merde! Moi j'ai oublié ma grosse. Ah bon, en plus t'as oublié toutes tes armes dans la moto, tu vas devoir te racheter tes armes! Ici ils vendent des silver ballers gros, sauf que moi j'en ai acheté un à l'armurerie civile alors qu'ici il est illégal apparemment. Ouais si, t'as l'air. Et regardez comment je suis chiant. Je voulais juste faire ça. C'est bon, j'ai fini. Ouais. Vas-y.